chien de garde toujours là. Hein? Ah bah oui. Hein. Bon, on n'est pas chez nous, on est dans un Airbnb, donc je n'ai pas forcément tous mes compléments alimentaires, mais en tout cas je te montre ce que je prends le matin par exemple. Alors le matin, entre autres, je prends le Zimadé et depuis peu le multivitamine Prozis. T'as 20 vitamines et minéraux à l'intérieur. Ok, j'ajoute également de la vitamine C parce qu'il n'y en a pas assez là-dedans. Ça, c'est sorti depuis peu aussi, pareil. Donc, je suis bien content que ça soit arrivé. Probiotiques, hein, donc pour une flore intestinale, c'est toujours intéressant de renouveler un petit peu tout ça. Donc, je prends ça également depuis peu. Tu te rappelles qu'avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je prends aussi des enzymes digestives. Donc voilà, tu peux agir avant, tu peux agir pendant, sur ton système digestif. À toi de voir. Pendant l'entraînement, en ce moment, je ne prends qu'une bouteille d'eau. Lorsque je fais des entraînements un petit peu longs, etc., ce que je fais, je prends du Vitargo. À l'intérieur, une dosette, ça suffit. Déjà, ça permet d'avoir un petit goût intéressant dans l'eau. Et puis, en plus de ça, ça permet un petit peu d'apporter une source de glucides tout au long de l'entraînement. Mais là, en ce moment, je n'en prends pas. Les entraînements ne sont pas assez longs et puis ma diète a changé. Donc voilà. Avant l'entraînement également, pas tout le temps, mais quand je suis fatigué, ça va être le cas aujourd'hui d'ailleurs. J'ai testé celui-ci là, écoute, pour l'instant, ça me donne un bon coup de fouet. Donc on verra tout à l'heure si c'est confirmé ou pas. Et puis voilà. Après l'entraînement, évidemment, un shaker qui contient quoi? Qui contient la pure whey native. C'est un produit vraiment préféré chez Prozis pour les compléments alimentaires. Et enfin, la créatine monohydrate, la belle créa pure. Donc on pose souvent la question, hein, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement en fait une gage de qualité, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est une marque, c'est déposé. Hein, en gros, si tu as ça, ça veut dire que ton produit est pur. Donc évidemment, tous les compléments alimentaires que je peux prendre, c'est pas obligé de les prendre, ça c'est sûr et certain. En tout cas, moi je te montre ce que je prends moi, puisqu'on me le demande assez souvent. Ce que je prends après l'entraînement, c'est toujours intéressant de mélanger une source de protéines. Tout le monde pense protéines, mais c'est le stock de glycogène qu'il faut aussi recharger. C'est intéressant de mélanger une source de protéines avec une source de glucides. Il y a diverses explications là-dessus, mais essentiellement, c'était démontré que l'anabolisme n'est que meilleur. Puis en plus, c'est bon. Je prends aussi ma petite compote. Je te laisse pas abuser par le marketing ou de certains influenceurs qui ne connaissent pas grand-chose d'ailleurs dans les compléments alimentaires. C'est pas une protéine pour sécher, tout comme il n'existe pas de protéines aussi pour prendre de la masse. Tout ce qui est lié à sèche, masse, etc., c'est lié aux glucides, aux lipides. C'est pas du tout lié au type de protéines. Comme je l'ai déjà expliqué en vidéo, on a déjà parlé avec Gundil. Il n'est pas débile, par exemple, quand tu commences à perdre du gras, de prendre, au lieu de celle-ci, de prendre de la caséine. Pourquoi? Parce que la texture, quand tu la digères, en fait, tout simplement, c'est un petit peu comme de la colle, si tu veux, et ça va permettre de ralentir ton sentiment de faim. Bon, voilà, je vais te montrer un petit peu ce que je me fais le matin, en ce moment, pour le petit-déj. Ce n'est pas forcément à reproduire, mais bon, puisque tu me demandes ce que je mange, et bien je te montre une petite recette que Arnaud m'a passée. Ça ressemble un petit peu à celle qui a vraiment très très bien marché sur la chaîne, sauf que c'est pas les mêmes ingrédients, mais bon, au niveau des macros, c'est similaire. Et donc évidemment, ça sera à adapter en fonction de toi, tu vois, de ta diète, les macros justement que tu as besoin, etc. Ça peut être intéressant puisque c'est rapide à faire et tu peux l'emporter, tu peux manger quand tu veux, enfin voilà. Rien extraordinaire, bon, je te montre quand même. Bon, pendant que tu prépares ta recette, je te conseille de mettre déjà à préchauffer ta poêle. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'une balance Prozis, si tu ne l'as pas, ça ne fonctionne pas. J'aime bien celle-ci, tu vois. Sans pile, tu tournes et puis voilà, tu peux. Enfin, c'est pas mal, franchement, j'ai déjà recommandé, je regrette pas du tout cet achat. Alors, t'as besoin de quoi? Donc, t'as besoin, enfin, moi en l'occurrence, j'ai besoin de 5 œufs. Donc, à savoir, 5 œufs, je prends seulement un œuf complet, le reste, c'est que le blanc d'œuf. Pour faire des économies, tu peux très bien acheter aussi, tu sais, les bouteilles qui vendent du blanc d'œuf. Voilà, ça peut être plus économique pour toi et puis ça vient dégager comme ça le jaune d'œuf. T'as besoin également de la farine d'épeautre. Et enfin, un shaker. Bon, pourquoi un shaker? C'est un blender, quelque chose qui peut bien mélanger. Prends-le, ne mangez pas, parce que comme je te dis, on n'est pas chez nous actuellement, hein, on est en déplacement avec ma compagne. Donc je prends ça, je mets tout dedans et je secoue bien fort. Et voilà, ça casse les grumeaux.
ça fait l'affaire. Au niveau de l'huile de cuisson, tu peux prendre l'huile de coco, etc. Bon, là, actuellement, j'ai une queue de l'huile d'olive ici, donc je vais prendre l'huile d'olive. J'ai renversé un sopalin et j'ai vraiment frotté. C'est juste histoire que ça n'adhère pas, en fait, sur la poêle. Ça dépend de la poêle que tu as. Là-dedans, j'ai donc mis mes 5 œufs, dont un jaune, voilà. Donc, et je vais rajouter, ici, 50 g de farine d'épeautre. Donc là, tu vois, cas pratique, je suis à 49. Oh, est-ce que c'est grave? Souvent, les mecs, ils sont un gramme près. Et puis, quand tu donnes des macros, par exemple, même pour certains de mes élèves, ils sont en panique parce que quand ils vérifient auprès de sites spécialisés qui calculent les macros, ils disent « Ah, je trouve pas pareil, etc. » Ce n'est pas grave. N'oubliez pas que ces valeurs-là sont rentrées par des utilisateurs qui peuvent avoir des erreurs. Et de toute façon, on n'est pas au gramme près. Ça peut aller, tu vois. Donc, ça va aller. On n'est pas au gramme près. Donc, voilà. Donc, bonne muscibilité, bon goût. Je sais que vous taillez genre de musculation par rapport à ça. Mais en vrai, quand tu prends une protéine, qu'est-ce que tu veux dire de plus, hein? Une fois que tu as les ingrédients, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'est prêt. Bon, j'ai pas mis la hotte, hein, parce que sinon on n'entend rien. En tout cas, tu vois, ça cuit très 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 vite. Donc vraiment, restez à côté, hein, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça crame tout. Et puis une fois que c'est prêt, eh ben, il faudra l'accompagner. Alors, fruits rouges, sinon tu peux prendre une compote aussi, la confiture, enfin, ce que tu veux. L'idée, c'est que, un, ça se fait rapidement. Donc, voilà. Deux, t'as assez bon. Et puis, trois, assez pratique. Si t'as pas ton bouffée chez toi, tu peux préparer la veille et puis tu le mets dans un papier d'alu, peu importe. Tu l'emmènes le lendemain tranquille et tu n'as plus qu'à manger. Donc, voilà, c'est une petite recette. Ça varie un petit peu. J'avais fait une recette une fois, c'était la crêpe avec flocons d'avoine, des œufs, etc. Bon, bah là, voilà, c'est différent. Il existe tellement de recettes, faut pas hésiter à les tester. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. En plus, la poêle est merdique, la poignée m'a lâché. Bon, bah écoute, maintenant je suis en forme, donc bah, il est l'heure d'aller rejoindre Arnaud pour une séance de muscu. Alors, c'est pas ma séance du jour, c'est son rappel, donc ça va me permettre de... Bah, c'est toujours bien pour moi, hein, je fais des séances en plus, c'est cool. Et ce soir sera ma vraie séance, bon, je la filmerai pas, mais en tout cas, ça sera une séance cuisses et bras en lourd. Donc là, aujourd'hui, ça va être... Enfin, ce matin, ça sera beaucoup plus léger, des séries longues, en contrôle vraiment... strict, et tu verras. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir à peu près 10 km en courant pour aller me rendre à la salle. Non, je déconne. On va plutôt y aller comme ça. Ah putain, je viens de me boire le booster. Ça picote un peu, hein, pour les sensibles, attention. Hein. Et en fait, une petite chose aussi par rapport à ça, parce que j'en vois des fois qui s'amusent à prendre des boosters comme ça au hasard. Testez toujours votre tolérance pour les compléments alimentaires, toujours, toujours, parce que le problème, c'est que si vous en prenez trop, si d'un coup vous n'êtes pas habitué à en prendre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je te le dis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu risques d'aller au shot directement. Ça, c'est le pire des cas, évidemment, parce que bah voilà, ça peut arriver, hein, si ton corps réagit comme mal à la caféine. Donc, il faut toujours appliquer le principe de précaution. Hein. C'est un peu comme les chats ou les chiens, quand tu changes leur bouffe, il faut mettre l'ancienne bouffe et puis réguler comme ça. Bah, nous, c'est à peu près pareil aussi, donc il faut tester. Il ne faut pas mettre une dose directement, il faut mettre une demi-dose, voir ce qui se passe, et puis voilà. Parce que pas mal de personnes ont eu des mauvaises surprises par rapport à ça. Bon, allez, à ces peuples-là, Arnaud va encore m'engueuler parce que je suis en retard. Donc, je me dépêche. Voilà, donc je suis arrivé à la bourre comme d'hab, et Arnaud est encore en train de commencer à bosser ses moulets, parce qu'il n'y en a pas trop là. Ah ouais, ça va, c'est gros. Ah oui. Ouais, on fait quoi aujourd'hui? Toi, tu fais quoi? Ce soir, rappel, cuisses, ischio, mollets évidemment, ouais. Et les épaules. Voilà. Et les abdos, bien sûr, parce que... les agros. Voilà. Je les rentre là. Ouais, très bien les mollets. Ça bosse. Donc là, on enchaîne les mollets, autre mouvement. Donc là, c'est important. Hein. Vous voyez, il faut une amplitude quand même. Il faut maintenir, il y a une contraction aussi à avoir. Parce que souvent, il y en a qui les font, mais ils n'arrivent pas à descendre correctement. Il faut travailler votre mobilité. Oh, il y a la souplesse. Exactement. Le mec qui n'a pas de souplesse et qui parle de souplesse, c'est moi.
légumes, descend du singe. Non mais tu vois, c'est ça les vrais hommes, parce que maintenant les mâles c'était... Ouais, les Schwarzenegger, les Stallone, c'est fini. Les poilus, voilà. Ça, c'est voilà, bon. Maintenant ils veulent des camionneurs maintenant là ça. Non, c'est des métrosexuels, regarde-moi ça. Ça va, il est pas en manque de mollets, hein. Ah, ils remontent haut, mais ils sont quand même là, quoi. Bon, pour information, Arnaud m'a changé la diète. Donc je passe de, je sais pas, j'ai une connerie, hein. J'ai compris, je passais de 4000 kcal à 2500. Donc c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur. Et pour autant, l'entraînement ne change pas, les objectifs sont toujours les mêmes. Et en fait, il va ajuster par la suite, hein, évidemment, par rapport à comment mon corps se développe, etc., etc. D'ailleurs, Arnaud, on fait les cuisses, mais a priori, les gens demandent quand est-ce qu'on va faire la séance chez Gundil. C'est qu'il va nous faire faire un seul mouvement pendant 2 heures. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y va, parce que nous, on veut faire qu'un mouvement. C'est tout. C'est vrai, autrefois, je faisais des tractions. Et toi, c'est des prépas de compète qui arrivent, là. Exactement. Donc, Gédard, c'est ce que j'expliquais au début, hein, t'es en prépa. Ouais. Donc n'hésitez pas. 5 mois, hein. 5 mois, ouais, d'échéance. Donc n'hésitez pas à le suivre. Nous, on sent son bureau. Voilà, le bronzage, ça permet de moins voir les bourrelets. Ça fait plus fin. Ah, c'est clair. Donc là, toujours pareil. Oh, putain. C'est important de faire les mollets. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas les mollets, on ne sait pas pourquoi. C'est bien d'avoir des mollets à la Arnold Schwarzenegger. Ils ne travaillent que le haut et qu'ils font pas de cuisses. Superset, quadri. Enfin, quadri. Vaste interne et vaste externe. Et les ischio, bien sûr. D'accord. Donc, du coup, on a cette machine-là qui fait les deux. Leg extension, leg curve. Ce truc, c'est qu'il faut régler parce que j'ai des petites jambes. On n'oublie pas votre point de repère, c'est que l'articulation ici doit être au niveau du axe de rotation. Allez, donc jambe par jambe en alternance. Bon, on vous rappelle, c'est la séance numéro 2, hein. C'est un rappel, c'est pas du tout une séance complète cuisse comme on a pu faire. La séance cuisse, moi je l'ai faite il y a 2 jours déjà. Si on a une jambe plus forte que l'autre, on peut pas tricher. Vu que celle-ci, je suis blessé. Voilà, comme ça. Mieux. Il peut gérer le mouvement. Parce que lorsque tu es blessé, forcément, c'est l'autre jambe qui prend le relais et qui sert en fait de tuteur. Et donc, finalement, on finit par moins travailler la jambe où on se sent blessé. Comme il a dit, alternance. Gundil est favorable pour le travail en unilatéral d'ailleurs, parce qu'on a toujours un côté plus fort que l'autre. Et plus sur solliciter la jambe droite en appui quand vous êtes blessé par exemple, donc elle risque elle aussi de se blesser, donc faire attention à ça. L'unilatéral, c'est très très intéressant. Tu portes moins lourd, ça prend plus de temps, mais ça permet justement de lutter contre les déséquilibres.
Allez, on enchaîne. Déjà au niveau du booster, parce que je sais qu'on va poser la question. Écoute, ça fait son taf. Pas beaucoup dormi. Et je me sens bien là, je me sens en forme. Les boosters, je suis un petit peu habitué. Donc, mais c'est pas pour autant que je vais augmenter mes doses. Hein. Donc, je suis à 2 doses. Ça me convient parfaitement. Donc voilà, pour les ressentis. Donc Arnaud, on enchaîne, on fait 4 séries. C'est très très difficile mentalement parce que t'as la brûlure, mais c'est très très long. En ce moment, je fais du programme plutôt court. Là, c'est long, ça, la dent faut être solide. Il faut rester concentré, surtout pour mon genou. Il y a moins de déconcentration et ma rotule peut sauter. C'est un petit peu inconvénient, ça n'empêche pas d'avoir de la cuisse. Bon, là, on part sur du soulevé de terre, halter. On va travailler les ischios. C'est un mouvement pas très très facile à exécuter, surtout quand t'as la fatigue après qu'il y a derrière. Donc il faut faire attention, il faut bien verrouiller, pas aller trop bas pour les grands comme nous, parce que sinon on a tendance à arrondir le dos. Trop bas déjà en plus. Arnaud, il faut pas oublier qu'il a... C'est quoi, t'as des hernies toi? Non, discopathie. Ah oui, voilà, discopathie. Ouais, il faut qu'il fasse super attention à ces mouvements là. Puis il y a déjà la masse, donc ça sert à rien de porter hyper lourd de toute façon. Soulevé de terre, jambes tendues. Alors quand on dit jambes tendues, évidemment, c'est pas les jambes tendues à 100%. Hein. On casse légèrement en fait la jambe pour bien étirer les ischios, les fessiers. Alors si vous avez la possibilité de descendre jusqu'en bas, vous le faites, mais moi je vous le déconseille pour le dos. Le travail se fait de toute façon. Tant un poil plus les jambes. Voilà, c'est mieux. De toute façon, si vous n'êtes pas souple, vous allez vite le sentir, hein, l'étirement. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Là, on parle sur du shrug. Puis pour la suite, là-bas, on va faire des élévations pour travailler les détourières. À chaque fois, on fait la remarque, ouais, t'as du ventre. Ah oui, allez, contracte le ventre, tu te filmes. Non, à chaque fois, on me dit, ouais, t'as du ventre, alors j'en demande maintenant. Ah non, mais là, en même temps, tu fais combien de repas par jour? Deux. Voilà. 2 de 5 cales par repas. Ah vas-y. Donc là, c'est pas les élévations latérales qu'il fait, mais il se penche légèrement en avant. Il va plutôt aller vers l'arrière ce mouvement, vous allez voir. Donc ça va accentuer le travail des trapèzes, la contraction au niveau des trapèzes. Et pour ça, ça va travailler aussi, solliciter l'arrière des épaules.
c'est pas évident ce mouvement là, j'ai du mal à l'intégrer. Moi je branchais beaucoup plus. Très bon mouvement pour les épaules, pour les trapèzes. Alors petite astuce pour éviter de créer des tensions au niveau des cervicales. Laissez tomber la tête légèrement vers l'avant. Voilà, comme ça on ne force pas sur la tête, on travaille que les trapèzes et on ne crée pas de stress au niveau des cervicales. Ce serait bien d'ailleurs d'avoir un avis éclairé de notre ami Fred, le spécialiste. Voilà. Et tu montes pas latéralement, hein, voilà. C'est voilà. Comme si tu essayais de pousser les haltères vers l'arrière. Tu montes en poussant les haltères vers l'arrière. Ce qui est différent que de monter latéralement. Ça nous permet de solliciter encore plus les deltoïdes postérieurs et les trapèzes. Voilà, pour travailler l'épaisseur des trapèzes. C'est important d'avoir des beaux trapèzes. Bon, on va finir les épaules. Pareil rappel, élévation unilatérale à la poulie. C'est intéressant par rapport aux haltères parce que la résistance n'est pas la même. Les tensions continuent. Et en plus, c'est un mouvement qui, voilà, avec les haltères, a tendance à prendre un peu plus lourd et à s'aider à compenser avec les trapèzes. Bon, là, ça peut arriver aussi, mais bon, l'idée, c'est de travailler en tension continue. Tu vois, c'est un body. Regarde la charge qu'il met. Alors, tous les kékés là, qui mettent toute la pile. Enfin, j'exagère, t'as compris ce que je veux dire par là. Je pense que vous avez rien compris au body. Mouvement contrôlé. Le crâne qui brille. Signe de travail de qualité. Entraînement terminé. Donc ce soir, moi, comme j'ai expliqué au début, je ferai mon entraînement prévu en charge plus lourde, un petit peu réduit évidemment, parce que je suis une machine. Alors toi, j'ai expliqué au début que tu... compétition ? Non, j'ai jamais dit que je faisais la compétition. Tu l'as dit, t'as fait des lives, machin et tout. Là, avec non, c'est que j'ai fait que c'était pour faire d'audience, parce que les gens, ils se disaient, putain, je ne fais rien maintenant. Non, bah, comme chaque année, je fais le championnat du monde déjà depuis un certain temps. L'année passée, j'ai fait 4, cette année, on vise le podium. Donc, meilleure préparation, comme je vous l'ai annoncé, je vais bosser avec Mo. Ouais, exactement. Voilà, d'où l'importance d'avoir des directives et d'avoir le soulagement de ne pas faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, quand vous êtes coach, c'est comme le cordonnier, on est plus mal chaussé. Donc, à un moment donné, on fait des erreurs qu'on ne devrait pas faire parce qu'on va être trop strict avec soi-même. Et on pense faire bien et finalement, on fait mal. Donc, voilà, donc c'est pour ça que la préparation, ça y est, c'est parti, on attaque. Ça va être bien, tranquille. Ouais, bah ça commence déjà. Hein. C'est... Ouais, okay. J'ai attaqué par le bronzage d'abord. Ah bah oui. Voilà. Alors j'expliquais aussi tout à l'heure que tu as réduit drastiquement mes calories. Et on commence à avoir justement un peu plus de dureté. Donc c'est pas de la sèche, hein, attention, hein, on n'est pas en perte de sèche. Ouais, parce que le problème c'est que quand vous êtes trop en poids, quand vous êtes trop surchargé en graisse surtout, déjà on voit pas la dureté, on voit pas les points faibles que vous avez. Et après, au moment où tu sèches, on a tendance à trop réduire, donc à fatiguer le corps. Et en plus de ça, on voit pas la dureté. Et le principal, c'est de travailler la dureté sur le visuel. Ouais. Quand on fait de la compétition, ce qu'on voit, c'est la dureté musculaire. Et ça vous rend encore plus volumineux, surtout. Exactement. Donc, la diète, ça va, c'est tranquille hein, pour l'instant. C'est pas une diète en plus que j'ai pu faire avant sécher pour la compète. Au niveau du genou, tu as pu voir en vidéo, je mets un petit screen ici. Il y a une différence, évidemment, entre le genou gauche qui, je récupère, hein, mais qui a du retard. Bon, qui m'a demandé de faire aussi du rappel en fait, milieu de semaine, du lourd, du léger, pour rattraper un petit peu tout ça. Et puis sans se blesser, évidemment. Donc il faut vraiment que je reste concentré. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien, travailler, surtout avec, des bonnes exécutions. On n'est pas forcément, c'est comme le squat, hein, ça je le vois encore souvent. Je vois certaines personnes que je suis, on les corrige dans la salle en leur disant non, mais le squat c'est plus par terre, machin.
Oubliez tout ça, c'est, ça sert à rien d'aller foutre le cul par terre. Au contraire, tu crées des tensions supplémentaires sur le bas du dos, sur les genoux, et ça ne travaille pas plus. Donc le principal, c'est que d'avoir une bonne sensation musculaire, bien travaillée, surtout c'est ça. Et n'hésitez pas à faire beaucoup de volume au niveau du training, parce qu'une fois de plus, quand j'envoie des programmes, qu'on me dit « Ah mais Arnaud, j'enchaîne les jambes deux fois, deux jours l'un derrière l'autre, ça ne fait pas beaucoup, j'ai besoin de récupérer. » Mais si elle regarde bien la personne, c'est pas le même travail. Le lendemain, c'est toujours les jambes, mais c'est pas le même travail. On cible différemment, différents angles. Et c'est important de la surcompensation pour pouvoir développer et pousser le corps à développer plus. Puis d'ailleurs, je rajoute par rapport au squat, c'est les gens ont tendance à faire une espèce d'antéversion du bassin. Donc en fait, tu bascules tu t'enroules le bassin quand tu es cul par terre. Ouais, pour remonter. Ouais, bah bonjour les hernies discales, mon gars. Après, on comprend, ah, j'ai mal au dos, j'ai ma jambe qui est radiée. Bah, t'as compris. Donc faites attention à ça. Hein. Filmez-vous, observez-vous, et puis travaillez aussi votre mobilité, la souplesse. Voilà, puis c'est surtout que, je peux vraiment prendre un exemple. Quand j'ai commencé en fait le body, j'avais pas de cuisses, vraiment des cuisses de poulet. Et j'ai vraiment développé les cuisses, j'ai jamais fait de squat complet. D'ailleurs là ça fait presque plus de 10 ans que je fais plus de squat à cause de ma contusion. Ça n'empêche pas que j'ai des cannes. Donc voilà, et je fais des demi-mouvements, parfois des mouvements complets mais vraiment très légers. Et encore quand je fais très léger, parfois j'ai un peu des douleurs dans les tendons, les articulations. Donc je préfère faire des mouvements en trois quarts, demi. Mais au moins vous avez une tension musculaire et vous travaillez vos muscles. Voilà. Bon, et pour ceux qui demandent, oui, il y aura la vidéo chez Gundil. Oui, on fera les cuisses chez lui. Il n'y a plus qu'à attendre. Et quand est-ce qu'on peut s'organiser ça? Et on fera tout ça en vidéo, évidemment. Voilà. Je vous dis à bientôt. Hein. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Important. À vous abonner à la chaîne. Sur Fitness, évidemment. Ah, ben oui, ça sert à rien de regarder si vous abonnez pas. Hein, voilà, si vous partagez, faites abonner les autres aussi. Merde, alors. Incroyable. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est une vidéo à l'ancienne, évidemment, donc j'en referai d'autres beaucoup plus longues, beaucoup plus axées training, avec des guests, etc. Donc il ne faut pas hésiter dans les commentaires à me dire qui tu veux que voir participer en ce genre de vidéo. Putain, je suis fatigué là, faut que je t'en pute. Je suis premier à faire ouais, la récupération, il faut dormir, et je suis dernier à suivre le conseil. Tiens, justement, en parlant de récupération, instant pub, tu vois, je vais te parler de pistolet de massage. Voilà, les pistolets de massage, on en a parlé. Tu vois, il y avait pas mal de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Et moi, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et j'ai pu le tester. Alors, évidemment, tu le sais, je suis partenaire Prozis. Hein, donc, c'est un pistolet de massage Prozis. Mais bon, en tout cas, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'en pense, comment l'utiliser, et surtout comment je l'utilise. C'est tout ça le but. Évidemment, Prozis propose des articles de ce genre qui sont beaucoup moins chers que celui-ci. Alors, c'est toujours pareil hein, au niveau de l'article. Quand je l'ai annoncé, c'est vrai que le prix... Ça fait parler. On m'a raconté que effectivement, on pouvait trouver le même genre de produit chez Wish. Et j'ai envie de te dire, bah vas-y, prends-le chez Wish si tu veux. Mais je peux comprendre, évidemment, je peux comprendre. C'est un produit qui a quand même un certain coût. Mais la seule différence, c'est que quand tu prends des produits pas chers, et j'en ai testé un, tu peux en trouver des bonnes qualités, attention, hein, qui ont un moteur à l'intérieur assez résistant. Donc c'est la percussion en fait, hein, qui a une vitesse maximale intéressante, etc. Mais par contre, dans le temps, en tout cas, moi, ça n'a pas beaucoup duré. Donc peut-être que certains en ont acheté qui durent encore longtemps. Donc il faut que tu testes, il faut que tu vois les avis dans les forums, etc. Puis tu trouveras ton petit bonheur. En tout cas, moi, j'ai pris Prozis. Et parce que déjà, bah, parce que Prozis, c'est la marque avec qui je suis en collaboration. Et qu'en plus, c'est un produit de qualité. Tous les moteurs ne se valent pas, durée de batterie ne se valent pas. En acheter un instant pour tester, je voulais faire une vidéo comparative comme ça, produit chinois contre celui-ci. Et en fait, tu avais les embouts qui se barraient. Donc tout ça pour te dire que je ne t'incite pas évidemment à acheter ce genre de produit, en tout cas celui-ci spécifiquement, même si ça me ferait plaisir, à tout cas avec qui tu sais que j'ai une commission là-dessus et ça soutient la chaîne. Mais tu prends ce que tu veux, voilà. En tout cas, je vais t'expliquer comment moi je l'utilise. C'est ça le plus important finalement. Dans cette partie de vidéo, parce que la récupération, on a tendance un petit peu à trop la négliger. Donc, le sommeil, tu vois ma gueule là, évidemment, je suis mal placé pour en parler, mais bon, en tout cas, il faut respecter le sommeil. Ça passe aussi par une alimentation saine et équilibrée. Et si tu prends des aliments trop riches, etc., bah, du coup, tu as des coups de fatigue et tout, et c'est chaud, quoi, pour avec la digestion, machin, tu peux être amené justement à avoir du mal à t'endormir, etc. Et voilà, donc tu as aussi donc, un excellent moyen de récupérer, ce sont les massages. Alors les massages, pourquoi? À quoi ça sert ce pistolet de massage justement?
Eh bien, il y a différents types d'utilisation. Pour ma part, j'utilise notamment après entraînement, un peu difficile, on va dire entre guillemets, pour désengorger un petit peu le muscle, tu vois, qui est bien congestionné, et ça facilite la récupération. Voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas m'amuser à mettre des vitesses maximales. En tout cas, je vais éviter. Et ça peut aussi m'aider, notamment parfois, pour soulager tout simplement lorsque tu as une petite douleur, un nœud, quelque chose. C'est vrai que ça m'a aidé. Voilà. Donc, je te montre un petit peu. Donc, évidemment, ce modèle-ci, tu as donc le pistolet en lui-même. Alors, c'est pas compliqué hein, en fait, tu vois, derrière la batterie, elle tient extrêmement bien. Ça, c'est un petit point que je voulais souligner. Tu vois, tu restes appuyé ici. Voilà. L'indicateur de charge qui est là. Et ensuite, tu peux augmenter la vitesse. Voilà. Tu as le chargeur et puis tu as différents. Alors, celui-ci, par exemple, j'utilise pas trop celui-là, tu vois. Celui-ci, c'est notamment pour la colonne vertébrale, tu vois. Tu mets ça, tu mets la colonne vertébrale qui se trouve au milieu, en fait, tu vois. J'essaie de cadrer un petit peu avec la caméra, au milieu, et tu passes comme ça le long. Moi, bon, après, ça, c'est pas trop mal. Hein. J'ai déjà testé, moi, j'aime pas trop, tu vois. C'est dur, etc. Je trouve pas mon bonheur là-dedans. Je préfère utiliser, par exemple, pour la colonne vertébrale, vous savez, le rouleau, en fait, le rouleau. Un rouleau assez volumineux, et puis je me mets dessus, puis je l'enroule, quoi. Et ça permet de craquer un petit peu le dos, ça fait du bien, en fait, au disque. Donc voilà. Ensuite, ici, en fait, c'est pareil pour certains groupes musculaires, tu peux utiliser, hein, pour les épaules, notamment, par exemple, pour les trapèzes, pourquoi pas pour les cuisses, enfin. En fait, il faut que tu trouves l'embout qui te correspond, tout simplement, hein, tu vois. Il n'y a pas vraiment de protocole à suivre, tu vois, là-dessus. Alors celui-ci, tu n'as pas trop de graisse, etc. Attention. Ça, c'est vraiment pour cibler un endroit particulier, tu vois. Si jamais tu as une pointe quelque part, une petite douleur et tout, tu veux vraiment cibler, eh bien, c'est l'outil idéal. Mais par contre, à faible vitesse, je le recommande parce que sinon, tu as douillé. En tout cas, celui que j'utilise le plus, moi, d'ailleurs, ça se voit, c'est la boule. Et puis voilà, donc ça fait le taf, tu vois. Alors évidemment, tu peux le faire à travers le pantalon, hein, ça pose pas de problème. Et voilà ce que je fais, et ça me soulage beaucoup. Tu vois, je passe toujours à la longueur du muscle. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire exactement ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc l'idée en fait de mes prochaines vidéos de ce type, c'est de te présenter un petit peu mon quotidien, à savoir ce que je mange, les petits pépins que je peux rencontrer, etc. Et surtout te permettre d'apprendre des choses. Donc aujourd'hui, grâce à cette vidéo-là, tu as pu avoir quelques petits tips de la part d'Arnaud. T'as aussi pu voir un petit peu son entraînement, parce que c'est vraiment son entraînement, épaules, etc., enfin cuisses, mollets, tu vois, donc c'est vraiment sa séance à lui. Mais je te ferai des séances aussi, des vidéos où je serai en train de filmer par rapport à mes propres séances. Je t'ai montré une petite recette que j'avais. Si tu es intéressé pour voir un petit peu parfois le quotidien au niveau de ma diète, etc., je peux te le mettre. Je ne suis pas très très fan à la base de te mettre ça, parce que je considère qu'on a tous... des objectifs différents, et puis on a tous des sensibilités différentes, hein, tu vois, dans les vidéos, surtout les vidéos de diète, t'as surtout les commentaires du genre non mais pourquoi tu bouffes ça, ceci, cela, enfin bref, les mecs qui donnent leur des leçons alors qu'on ne les connaît pas et que personne ne leur a demandé. Donc une diète appartient à chacun. Mais bon, si tu es intéressé par ça, je peux te le mettre. Mais surtout, l'idée pour moi, c'est de te présenter des vidéos d'entraînement. Et peut-être que sur toute une vidéo, tu vas passer un bon moment, parce que tu vas me voir entraîner avec une personne ou deux, ça dépend, tu vois. Mais tu auras peut-être appris quelque chose. Un placement, une astuce pour ressentir un muscle, comment faire pour t'installer correctement sur une machine, une variante que tu ne connaissais pas. Enfin voilà, donc je t'invite évidemment à t'abonner et à me suivre sur Instagram notamment, YouTube, et puis ça suffira, hein, c'est déjà pas mal. Il y a un petit point important aussi que je voulais aborder, enfin important, c'est pas très très important, ne te fie pas, encore une fois, ça fait 10 fois que je te le dis, aux images, aux photos, aux vidéos que tu vois sur les réseaux, parce que selon, tu vois, par exemple, mon coach, moi, il a beaucoup filmé avec la distance, comment ils appellent ça, grand angle, ça défend complètement les personnes, hein. Généralement, j'ai des grands pieds et tout, ça ne reflète pas la réalité. Dans les commentaires, ça ne sert à rien de parler de « t'as pris des cuisses, t'as pris ceci, t'as pris cela », puisque vous ne pouvez pas vraiment savoir. À partir du moment où on est encore en vidéo, il ne faut pas se faire avoir par rapport à ça. C'est toujours flatteur quand on me voit en vrai de dire que j'ai pris, là, je suis content. En vidéo, on sait comment ça se passe, en photo, on sait comment ça se passe. Tu peux être à ton avantage, tu peux être mis en avant par rapport à l'autre. Selon où tu te trouves par rapport à l'objectif, tu peux être déformé ou pas. Donc,
Ne te fie pas à ça. Voilà. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de se comparer à nos tubs. Hein. Le but du jeu, c'est de. Moi, je te partage un petit peu mes entraînements, mon évolution, etc. Et puis, pour que tu puisses aussi toi-même, un, te motiver, et puis de deux, tu puisses apprendre des choses, en fait. Et puis voilà, ça s'arrête là. Je suis pas là pour, par exemple, m'exposer et puis obtenir la satisfaction de par les commentaires et le jeu. Voilà. En général, on tire de la satisfaction là-dessus. Pas trop sur les commentaires qui sont un peu trop... qui piquent, tu vois. Mais voilà, donc c'est vraiment important pour moi de te préciser ça. Parce que souvent, j'ai des commentaires aussi de mecs qui m'écrivent un message privé, qui me disent « Ouais, j'arriverai jamais à avoir ton niveau, etc. » Mais ça, on s'en fout. Je vous explique un petit peu mon parcours, ce que je visais, etc. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le pire. Mais en tout cas, je suis honnête avec vous depuis le début. Et donc, il ne faut pas chercher à ressembler à, il ne faut pas chercher à copier. Il faut chercher juste ce qui peut t'aider toi dans ta pratique. Voilà. Qu'est-ce que fait Aiki, par exemple, et qui pourrait m'aider? Tiens, j'ai testé ça. Qu'est-ce que fait Gendil? Qu'est-ce que fait, je ne sais pas moi, peu importe, tu prends quel autre YouTuber fait entraînement de musculation actuellement? Il n'y en a pas tellement. Les Double Dragons, tiens, par exemple. Tu peux aussi t'inspirer. Voilà, tu inspires-toi, teste certains outils, mais il ne faut pas idolâtrer, il ne faut pas envier, et puis parce que, voilà, on est tous différents. Et puis...